Hello, la Dozo Family, j'espère que vous allez bien. Moi, ça Gaz et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que, comme vous voyez, on est en famille en fait. Il y a vraiment tout le monde là. Il y a tout le monde. C'est ça, ça me fait plaisir de faire partie de la famille. Mais bien sûr, Gizzy. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Je suis avec Gizzy, je suis avec Valouz et, comme vous voyez à ma tête, il y a un petit. Il y a un petit truc. Il y a un gros truc. Enfin, c'est choquant de ouf là par contre. Ça fait 10 ans que je retiens. Mais chaton, oh attends, mais je rêve ou quoi là? En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'elle est trop première. Comme vous voyez, eh bien je suis pas maquillée, voilà, et eh bien la vidéo du jour ça va être trop drôle les gars. J'ai pris mes meilleurs acolytes du jour et en fait ça va être trop marrant, c'est que Valouz et Gizzy vont faire la voix off de mon make-up. Enfin, la voix off, en fait on est juste là. En fait je m'explique, en fait c'est trop drôle parce qu'en fait quand je me maquille, des fois Valouz il me regarde, il fait tu pues l'art plastique, c'est quoi que tu dis? Le crayon couleur. Moi je trouve le maquillage, je trouve que ça sent le crayon couleur. Je vais me maquiller, eux ils ont aucune... Est-ce que vous avez un petit peu des connaissances en make-up? Oui. Bah voilà, c'est bien. Un mot, oui. Mais du coup, ils vont faire un petit peu la voix. Donc moi, je vais me maquiller. Les garçons vont commenter mon make-up à leur manière. Ça va être drôle. J'ai envie de dire, c'est parti. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Générique. C'est vrai que j'ai un peu une sale gueule hein, le matin. J'avoue. Là, on est censé commenter ou pas? Ouais. Ok. Non, mais comment tu me trouves au naturel? Comme une fleur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça? Ouais, une fleur un peu fanée. Je suis lent, c'est le démon. Je suppose qu'elle attache ses cheveux. Elle attache ses cheveux. Passe en profondeur. Non, bah non, pas forcément là. Chignon, non, sur le chignon, sur la gauche. Non, j'ai pas sur fait la droite, chignon. Ça fait des tours de passe-passe. Que de cheval. Que de cheval aujourd'hui. Que de cheval effectué. Que de cheval. Je pense que la queue de cheval sert à quoi? Simplement à dégager son visage en fait. Voilà, exactement. Parce que voilà, là elle va peut-être commencer par une base de fond de teint, etc. Et le but est de ne pas qu'il y ait des petits cheveux pour qu'il y ait des traces de cheveux. C'est ça, c'est ça. Parce que si tu mets du fond de teint et que t'as des cheveux, tu les retires, ouais. Ça fait une trace. Vous êtes très fort, vous êtes très fort, j'ai envie de dire. Donc là, elle va commencer directement donc sur sa petite bouboule. C'est trop marrant la bulle. Il y a au moins 1 kg de fond de teint là. On est sur 1 kg, le premier kilo sous la gauche. Pablo Picasso qui commence. C'est la Joconde au mon travail. T'as déjà vu le film Miss Sabine? Ouais, je pense. Il fait un chose sur la Joconde, tu sais, elle coule, elle devient dégueulasse. C'est lui qui la dessine. Oui, ça tapote. En fait, le fait de tapoter, c'est pour pouvoir en fait imprégner les pores. Non, mais surtout, on n'a aucune putain d'idée. Dans les commentaires, pourquoi on tapote? Bah, en fait, c'est que quand tu tapotes, bah, en fait, ça permet déjà d'incruster un petit peu la matière sur ta peau, quoi. Parce que si tu fais ça, bah, ça va tout enlever. Donc là, tu tapotes et tu vois pas qu'il y a une gifle là déjà. J'ai plus de cernes, genre. Ah, un peu quand même, hein. Ouais. C'est parce qu'après, on s'est couché hier à 3h du matin. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop choisi le bon jour pour faire cette vidéo make-up parce que j'ai un peu. Mais normalement, du fond de teint, c'est pas de la poudre. Bah après, pour fixer. Donc là, en fait, elle a appliqué. Donc là, c'est un sous fond de teint, là. Ouais. Donc en fait, là, je t'explique, elle a appliqué une base qu'elle a avant de mettre le fond de teint, tu vois. Okay, je comprends. Parce que c'est toujours mieux de mettre du fond de teint avec une base. Donc là, c'est du fond de teint collant. Ah ouais, ça met directement sur sa joue. Ah ouais, ça n'a aucun scrupule pour son visage. Ça y va directement et ça tapote hein, toujours. Donc là, ça fait 4 minutes que ça tapote. On est à 4 kilos de fond de teint. On est sur un record là, je pense, les amis. Mais non, vous croyez vraiment que je mets beaucoup de fond de teint là? C'est énorme ce qu'elle a mis. C'est vrai? On ton chip sheet là, il dure combien de temps? Ah, il dure longtemps, hein. Oui. Mais ça fait. Genre une semaine. Ah, t'es malade toi. Mais ça dure au moins 6 mois. Comment tu sais, t'en mets suffisamment ou. Bah là, des fois, ça t'arrive d'en mettre trop. Ah ouais, trop, c'est moche. Hein. Et du coup, tu fais quoi si t'en mets trop, tu te démaquilles? Ouais. Non, mais c'est hyper rare que j'en mets trop. Mais là, parce que si t'en mets trop, ça fait vraiment fake visage. Là, ça va, tu vois. On dirait un filtre. Ouais, on dirait un filtre. C'est vrai? Le mec, trop chiant. C'est vraiment un bâtard. Ouais, vraiment des gens. Ah bah ça y est, elle a pris le premier degré. Voilà, alors là j'ai fait ma base. Donc là elle a fait sa base. Voilà, donc là elle a fait sa base. Bah nous aussi sur Russ on avait fait une super base. C'est vrai qu'on avait fait une bonne base sur Russ. Ah ouais. Impénétrable. Ouais. Ça dégage les épaules. Ça se met à l'aise. Bah non, ça dépend, mais c'est vrai que des fois pour éviter les démarcations. Faut se mettre les questions. En fait c'est ça, en fait c'est pour pas. Ça dépend le col que tu mets, tu vois. C'est pour la démarcation. C'est ça. Mais Valou, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il m'a jamais vu me maquiller. Ok, bah je pense qu'on est bon là les gars. Donc là je pense qu'on est bon les gars. Je pense que c'est fini. En tout cas pour la base, elle a été appliquée, donc on peut déjà remarquer la différence. J'ai quand même regardé, j'ai remarqué une petite grimace de sa part, je pense qu'elle est pas entièrement satisfaite. Non, je suis pas satisfaite, vous donc avez là, vu. Donc là, ça va partir directement sur une seconde base. Parce que, bon, faut bien protéger. Non, ça c'est de... 1 cm de peau. Je pense qu'on est sur de l'anticerne ou quelque chose comme bon, ça. C'est exactement la même chose. Ok. Ouais, mais il y a raison, Gizzy. Hein. En fait, celui-là, en fait, comme c'est une autre couleur... Ah, c'est un autre, j'avoue, j'ai pas... C'est une autre teinte. Autre...
Ouais, c'est une autre teinte. Du coup, là, j'en mets plus sur mes cernes. Histoire d'éclaircir, en fait. Histoire d'éclaircir le dessous des yeux. T'as eu l'œil. J'ai eu l'œil. Là, je pense qu'on est bien. Donc là, je pense qu'on est bien. Ouais. Voilà. Donc, voilà, en fait, ça servait surtout pour le tu le peux nous regarder des yeux. Pour le dessous des yeux, tu vois. Ouais, continue. Hein. Donc voilà, elle a mis sa base. Là, elle passe directement au pinceau. Oh, la le pinceau. Et ça y est, ça va vite. Hein. Vous le voyez. C'est assez efficace. C'est le rush. Donc là, c'est pour éviter tout ce qui est réflexion, en fait, de la lumière, etc. C'est pour avoir, par exemple, s'il y a de la sueur ou quoi que ce soit. Non, elle va pas, du coup, briller à la lumière. Là, c'est vraiment pour... La poudre va absorber. C'est ça, tout à fait, hein, Thierry. On peut voir qu'elle se tapote, elle s'en met dans les yeux et tout. C'est assez efficace, hein, on le voit. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ça a été très rapide. Étape plutôt satisfaisante et plutôt rapide. Donc là, ça y est, ça part sur les sourcils. Le peigne à sourcils. Donc là, les sourcils qui sont peignés. Donc là, elle se... Donc bien sûr, pour éviter les nœuds. Oui. Non, c'est pour c'est surtout pour pré-dessiner le sourcil. Donc ça dépend si par la suite elle va le dessiner, tu vois, au crayon ou non. Mais là c'est pour, en fait, comment dire. Mais en plus t'as raison. Mais Kizzy, il est trop fort. Bah, du coup là, en fait, elle est en train de dessiner ses sourcils. Mais attends, mais là elle fait quoi là? Bah, elle les dessine, en fait, c'est pour pas qu'il y ait de trous. Ah mais là, j'avoue, elle a un crayon de couleur là. Ouais. un crayon de couleur. C'est pour ça qu'elle sent le crayon de couleur. C'est pour ça que tu sens le crayon de couleur. Mais chaton, c'est pas un crayon de couleur. Dessine ton sourcil. Mais ouais. Oui. Mais ça se voit là, non? Est-ce que tu vois une diff? Bah, j'ai l'impression que ça fait fake de fou maintenant, du coup. Chaton, mais. Le chaton. Je suis maquillée comme ça depuis des années, hein. Non, là, tu t'es trompé. Mais non, c'est juste qu'elle en a fait qu'un pour le mais moment. Oui. Calme-toi, frère. Merde. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va un peu trop haut là. Mais sinon, c'est comme ça, chaton, hein. Attends, attends, je fais le deuxième. Voilà, donc là, elle a pré-brossé, en fait, pour mettre les sourcils dans le bon sens, c'est-à-dire le sens du poil du sourcil. Donc, c'est pour faire ressortir les sourcils, ok, là. C'est ça, c'est surtout pour qu'ils soient identiques, en fait. Je suis en train de découvrir ma femme, en fait. Mais oui, de ouf. En fait, l'avantage avec moi, c'est que tu vois, le matin, j'ai une sale gueule, et après, quand je suis make-upée, je suis une bombe. Comme ça, t'as deux femmes, chacun. On dira rien. On va continuer à commenter ce match. Oui, peut-être. Non, mais je rigole, les gars. C'était une vanne. Ouais, nous aussi. Voilà, bah, je pense qu'on est bien là. Ouais. Voilà, on a vu que là, les deux sourcils sont. Sourcils. Sourcils ou sourcils. Sourcils. Sourcils, ouais. Ou sourcils. Un sourcil. Non, un sourcil. Des sourcils. Mais mec, tu me poses un sourcil. Tu me poses un sourcil. Tu me poses un sourcil, gros. Ok, c'est bon. Et voilà. Donc okay. Là. Un peu plus de couleur, quoi. Là, exactement. Les sourcils sont amplement bien dessinés. Ils ont c'est été très brossés plutôt. On est dans des bases plutôt. Et donc là, on y va, ça c'est le fard à paupières. Voilà, on y applique la première couche. Alors, Gizzy, je vais être honnête avec toi. Oui. J'ai l'impression qu'elle fait beaucoup d'efforts pour rien, sachant que je suis daltonien. Ah ouais. Du coup, là je vois qu'il y a beaucoup de bases brun, tu vois, marron, tout ça. Ouais. Je vois aucune différence. Oui, mais ça c'est. Ouais, mais ça c'est du nude, hein, chaton. C'est ça. En vrai, on en voit fait, pas. Du nude, hein. C'est couleur un peu. Cher, quoi. Ouais, voilà. En gros, là c'est plus pour. Cacher les imperfections. Non, voilà. Pas forcément. Pas forcément, ça donne une autre teinte. Ça donne une autre teinte un peu différente qu'elle a sur son visage, tu vois, pour faire ressortir ses yeux. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Non mais c'est non mais c'est juste que c'est pour éviter le surplus de. En fait là je viens de mettre du fond de teint et c'est juste pour éviter que quand je bouge comme ça trop mes yeux, et bah il y ait, tu sais, un petit dépôt de fond de teint là sur les yeux. Ouais. C'est archi moche et je déteste ça. Du coup je mets un tout petit peu de fard à paupières nude pour fixer un peu tout. Mais il y a pas trop de couleurs en soi, on voit pas. D'accord. Ok, voilà. Je comprends. Oula, elle sort le pencil. Donc là attention. On est directement pour les alors, cils. En vrai j'ai une phobie pour ça. C'est vrai? En fait j'ai l'impression que si elle se met dans l'œil, c'est fini. Oh t'inquiète. Genre, hein. T'es aveugle, gros. Oui mais franchement faut le faire, quoi. T'en as déjà mis dans ton œil? Ouais mais parfois ouais. Mais t'inquiète, ça va. Donc voilà, elle est en train de peigner ses cils. Donc le dessus et le dessous. Toutes les meufs elles ont ça leur bouche. Bah non, je pense pas, en vrai, y'a que moi qui fais ça. Dites-moi dans les commentaires les meufs. Je sais pas pourquoi. Non, c'est parce que quand je le fais, je suis genre comme ça avec ma bouche. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et donc ça. Regarde là, si tu regardes bien en fait. Ouais, là je vois ça. Oui, c'est pour bien. C'est pour agrandir et allonger les cils. C'est ça, en gros c'est pour peigner les cils. Et c'est pour rendre un regard un peu biche. Tout à fait. Tu aurais dû mettre mon petit t-shirt bichette, tiens. Donc voilà, là on peut pas commenter plus que ça. Ceux du dessous là. On est sur ceux du dessous. Voilà. Je pense qu'elle a bavé un petit peu, non? Non. La bavette. Je vais frotter la bavette. Ok, l'autre œil. L'autre œil, ouais. Ça part sur l'autre œil. C'est assez efficace, hein, on le voit. Hein, parce que vraiment, d'un instant à l'autre, ouf, fois deux, quoi. Mais en fait, c'est compliqué parce que moi, je suis gauchère. Et du coup, je fais un œil de la main gauche et un œil de la main droite. Ça se voit, rien que comment tu tiens ton pinceau. J'avoue, on dirait qu'il y a un problème, quoi. Ah ouais? J'avoue, il y a un problème. Vous me stressez à me regarder. C'est un peu le but de la vidéo pour le coup. Vous commentez, vous dit, ouais, les gars, est-ce que vous pouvez commenter en fait? On est venus. Et on la bouche à voir? C'est dur. Elle arrive pas du tout.
marrant. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce que c'est la vie, on va continuer tout de suite. Donc on peut le rappeler déjà, c'est du coup son make-up quotidien. Ouais, voilà, je fais toujours ça. Qu'elle utilise depuis X temps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis pas une grande maquilleuse, tu vois, mais si jamais ça peut me donner un meilleur teint et une meilleure gueule, je fais ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Heureusement que tu fais ça. Le mec s'y trouve un bâtard toute la vidéo, ils vont pas m'aimer les gens dans les commentaires là. Mais si. Sachez que c'est de la blague. Du second degré. On apprécie énormément Pidi. Bah j'espère bien. Maquillé ou démaquillé, c'est... Parce que quoi qu'il arrive, bah on est toutes belles. C'est vrai ça. Ça nous embellit un petit peu plus et ça nous donne un beau teint, mais je trouve que même sans make-up on est mimes quoi. Ouais, bien sûr. Bah je pense qu'on est bien. C'est déjà fini? Bah je crois. En fait t'as juste mis deux trucs. Après je mets un peu de labello pour mes lèvres. Le labello. Labello alias beurre de cacao. Labello qui et pas beurre de cacahuète. Labello qui lui donne un aspect label au bois dormant. Hein. Elle a été travaillée à l'entraînement. De ouf. Félicitations. Ben. Félicitations pour ce magnifique but. Ben, merci beaucoup Thierry d'avoir commencé ce match avec moi. Mais il n'y a pas de souci mon ami. On a assisté à un super match, une super rencontre entre le Ricil et le Fontain. Et on est sur une totale égalité. Mais ce moi je dirais quand même avantage Fontain. Ah ouais. Il y a eu deux couches. Hein. Oui, bon, attention, on est sur une troisième couche. Ah, le Fontain qui reprend l'avantage à la troisième mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est clairement un petit attendu. Mais non, mais ça, c'est le bronzer, c'est une couleur différente. C'est ça, c'est pour c'est donner à la peau un aspect bronzé. Ah, oh, t'es parti en vacances. Oh, ça y est, elle est partie une semaine à Marseille. Tadam. Et voilà. Voilà, bravo. Qu'est-ce que vous en pensez? Un mot. Bravo. Un deux mots. Bah moi je me trouve trop belle. C'est beaucoup trop long. C'est pas deux mots ça. Ok, je recommence. Bah non, j'ai plus envie. Redis deux un mots. Mot. Trop mims. Un demi mot. Mims. Les trois mots qui n'ont rien à voir ensemble. Écuyère. Écuyère. Chapeau. Plante. C'est validé, c'est validé. C'est vrai que c'est validé. Bien écoutez, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous validez mon make-up du jour. Voilà, c'est Gizzy et Valou qui si ont vous commenté. Vous avez aimé aussi ce commentaire. N'hésitez pas à le dire. Si vous avez besoin de présentateurs lors des prochaines confrontations, sachez que nous sommes là. Avec plaisir. Merci les deux petits loustiques, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao.